la tranchée? Oui, je veux pas finir ma vie en tôle, ça vous étonne? Oui, vous dites tout ça, puis un jour vous avez des fourmis dans les doigts en passant devant une bijouterie ou une banque et on recommence à rigoler. Les mains en l'air, tout le monde, c'est un top! J'ai dit les mains en l'air! J'ai une grenade, attention, je la découpille! Vite! Pensez-moi ça vite! Con! Vous le faites exprès ou quoi? Mais je veux rien, moi, je suis l'otage! Je fais de ma gueule ou quoi? Mais tiens, merde! Quoi? Mais que je suis l'otage, bordel! Bah oui, vous êtes l'otage, quelle drôle d'idée! Mais ne dis pas moi, connard, dis-leur à eux, on va se faire descendre! C'est parce que j'ai raté un hold-up? Ou c'est parce que j'en ai réussi 14, connard? C'est pour une déposition, allez, vas-y! J'ai rien à dire, chez moi! T'as rien à dire! Il va appeler les flics. Pas médecin, il est vétérinaire. C'est quoi comme race? C'est pas un chien, monsieur Martin, si vous venez voir. Il a chier partout, encore, j'ai plus de fans de mélange. Mais non, il est très propre. Tiens, mords-moi ça. Faudrait mieux le piquer, hein. Une règle, si tu veux passer inaperçu en cavale, baisse la tête, regarde par terre. Je serais bien livré à la police, mais je peux pas, j'ai un problème. J'ai une petite fille. Si on me met en prison, elle sera toute seule. Elle a que moi au monde. Mon argent. Depuis le début, il n'y a aucune raison qu'un otage fasse chier comme ça. On le prend pour quoi un otage? Pour se protéger? Non! Et moi, il arrête pas de me faire chier, l'otage! T'as pas de casier, t'as une bonne gueule. Tu feras un an maximum. On la mettra à l'assistance. Et alors? C'est pas dramatique, j'en sors bien, moi. Vous voyez le résultat? T'es un connard, toi.